Re-YouTube, bon, normalement, dernière session pour aujourd'hui. Normalement, j'ai bien dit. Donc là, je pourrais traverser, mais je peux aussi y aller par là. Exactement. Pour voir qu'il n'y a que dalle. Il y a un coffre. Faudrait que j'aille roupiller un moment aussi. Ok, on a un beau bateau. Oh mon bateau. Corde, ça encore tout encore tout mélangé de là. Je suis où là? Faut que je regarde, que j'ai aucune idée d'où je suis. Ah! Oh! D'accord. Someone had a party here, or something. No ordinary creature did this. Red caps ripped the place to pieces. Oh, il s'allonge alors que c'est... Oh. C'est blindé de... C'est blindé de sang, mais il s'allonge, quoi. Ça me mène ça. Nulle part, est-ce que je pourrais sauter dessus? Le beau marécage. C'est mignon. C'est mignon par là, hein. C'est quoi ça? Blessure ouverte. Bon. Il faudrait que je remonte. Partir ici, remonter ici. Pour vraiment avoir tout fait. J'ai pas de nouvelle quête. Si, il faudrait que j'aille. Si, il faudrait que j'aille là. Pour aller. Voir le... Comment ça s'appelle? Le nid là, le nid douillet. Hein. Comment ça s'appelle? La crèche. On aura des infos à la crèche. En train de pourrir?
Comment ça? Attendez. Comment ça, j'ai une blessure qui est en train de pourrir, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Par où? Ah, j'avance. Tu racontes le patricien, qu'est-ce l'endroit? Pourquoi l'illusion recouvrait-il? Je cherche Tati et elle, tu la connais? C'est quelqu'un? C'est une personne? Qu'est-ce qui ne va pas? Bah tu es haute comme trois pommes. Et troisième image miroir et compagnie avec... Allô? Je peux pas. Mais merde, putain, je visais pas le bon truc. Comment ça, mais Tony Hobb? Tommy, il est en train de crever? Toi. Je vais faire 31. Et quand même. Qui est toujours en train de crever, évidemment. Ah, mais il y a un nuage empoisonné. Ah, je viens de comprendre. Il a pris un peu, pas du tout.
Ok, donc ça en a retiré une. D'accord, tu peux boire un coup toi? Il n'y a que les... Ah, ils sont tous en train de crever là. Que je regarde avant là. Oui, un coffre là. Ah, mais elle a rien en plus. Bon, faut aller faire dodo. On va aller faire dodo. Et après, on retournera sûrement. Pas vu ici. Là, je veux vraiment tout faire quoi. Bah t'es qui toi? Ah, stranger. Forgive the aroma. You catch a waft of something foul, metallic. And sickly sweet. Powdered iron vine. An old hunter's trick. Most monsters will think twice before making a meal of me. You're a monster hunter. I'm surprised. I thought all Gur were vagrant cutthroats. Pardon, mais qui sont les Gur au juste? Je savais que vous étiez un abruti, mais vous êtes raciste aussi. J'aurais pas cru. Ah. A mystical and dangerous people. We travel the land, never settling in one place. We steal your chickens, curse your crops, seduce your daughters. Your friend here has heard it all, I'm sure. Now, I wish I had half the power settled folk think my people possess. Alas, I am a simple wanderer. A simple wanderer. And monster hunter, but I'm no witch doctor or cutthroat. J'imagine que vous êtes là pour tenir la guenaude. To make a deal with her. Probably think you can outfox the old deer. Right, but very wrong. My prey is a vampire spawn, much less impressive than the beast that lives here. His name is Astarion. But I fear he's gone to ground. I hope the hag of these lands can help me flush him out. If I can afford her blood price. Ah! Ah! Astarion, ça me dit quelque chose. J'ai cru voir ce nom quelque part à un moment, quoi. Eh bien, le voici, je vous présente Astarion. Non, il est temps. Un rejeton seulement, dommage. C'est pas comme si vous chassiez un vrai vampire. I don't know. I'm sure a vampire spawn could still rip out your throat if he felt like it. He is right, unfortunately. They are only weak when compared to their masters. During the day, we have the advantage. But at night, when they hunt, you'll not find a more deadly quarry.
Intéressant, qu'en dites-vous, Astarion? C'est un peu con. J'imagine qu'ils sont tout à fait capables de vous prendre par surprise. We've all survived so far. Let's focus on that. It would still be wise to post guards at night. The threat is real. Indeed it is. We should do something about this threat. Nous serons prudents, mais il nous faut y aller. Wait, that's it. We're just walking away. J'ai dit qu'on ferait attention, alors allons-y. Fine, but if this comes back to bite us, it's on your head. Go in peace, my friends. I pray our paths cross again. They better bloody not. Avec son chapeau à la con, là. Il a l'air ridicule. C'est moi qui l'ai habillé comme ça. Ah oui. How much farther can I go? Ok, bon, on a fait le tour. Hein. Web, web, web. Eh bien, on va pouvoir aller. On va pouvoir aller. Attendez, mais j'avais pas. Bon, déjà, on va aller au camp. Déjà. Voilà, ça c'est pas mal. On va parler avec Carlac. On va aller parler avec Machine avant. On lui dit, ah dis donc, on a trouvé le truc, trop bien. Speak. Je vous chante, allez faire moi. À propos de ce chevaucheur de dragon. Your skull trembles, your parasite wriggles. Lazelle sees your memories of your confrontation with Kithrak Voss. Voss, je still Kithrak, Knight Supreme, an honorable warrior, Vlakith's finest. I am impressed. He wanted your head, yet it remains firmly atop your shoulders. A lesser person would be adorning the road as a shredded corpse. Eh ouais. Impressionné, c'est la chose la plus aimable que vous ayez jamais dite. Je vais y rechercher une arme, il s'agit de l'artefact en notre possession. As I'd expect, ancient Githyanki symbols adorn the artifact's face. We can deliver it to a Kithrak or Varsh at the first opportunity. Now, to the point. The creche is not far from where you met Voss. We must go there immediately. Unless, of course, you'd rather sprout waxy tendrils where there were no tendrils before. Que se passerait-il si le Kithrak Voss nous trouve avant? Keep me at your side and I will invoke protocol. It is my people's duty to aid infected Githyanki. Had I been traveling with you, we might have avoided the Knight's fury. C'est juste l'impression, vous me regardez différemment. I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. Mais j'ose espérer qu'un compliment va suivre. I don't pay compliments. I only say what is true. You've proven me wrong at every turn. You are efficient, dominant, courageous. I swear, you would tear the horns off one dragon for plunging into another. You've gained my respect, and more still, my yearning. When I come near, your odor alone is enough to make my neck sweat, and my hairs stand on end. Ah ouais? Vous voulez savoir ce que ça m'inspire? Burke. Ah le salaud. Respectant, pourquoi me montrer toujours si désagréable?
Faith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the Undying Queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver, and my body steel. I am what I must be. Say what I must be. To survive every beast I face and every wound I bear. Ah, enough talk. I will be plain. I want to taste you. Perhaps tonight. Perhaps later. But I want it all the same. Do you? Je veux partager mon corps avec vous, moi aussi. Je suis flatté, mais la réponse est non. Your loss, I fear. One day soon, you will wonder how my lips might... Ouais, c'est ça, ouais. Putain, elle est... Elle cache, quand même, hein. Allez, pour se calmer un peu... Allons parler à Karnak. C'est salaud de lui dire ça. Qu'est-ce que ça fait de pas pouvoir toucher quelqu'un? J'aimerais bien pouvoir vous refroidir, dans le sens faire baisser votre température, s'entend. Bah oui. If you have any ideas, I'm all for it. Give me all you've got. On va aller voir Ombrecoeur, on va lui dire de rester là pour... Pour le moment, on va prendre Laezel. Tout ce qu'il faut. On va attendre, on va attendre, on va prendre notre temps. I was. He mentioned Dark Justicias, and we've come across other signs of Asharan presence during our travels. I'm not sure I can dismiss that as a coincidence. If you're sure. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Comme ça, on y va avec Laezel. Déjà fait les Divinity? Ben non. Divinity 1 est en cours de faisage sur la chaîne. Oh là là, il suit pas. Oh, il suit pas. It is done. Alors... Nouveau don disponible. Ah. Ah bah oui. Force et constite. Allez go. Je ne sais pas poser la question. Voilà. Ah. Hellsfire. She's coming. And you know what happens when you're naughty. Gods damn it. Anyone but her.
Eh bien, voilà une qui est torride dans tous les sens du terme. Pouette, pouette. Qui êtes-vous par tous les diables ? Well, you absolute stinker. You kept me a secret. Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mazora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mazora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Oh, allez, dis donc, ça joue sur les mots, hein. C'est notre Karlak maintenant. Serons-nous débarrassés de vous? Vous avisez pas de faire du mal à Karlak? Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the Hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Tata. C'est pas une gentille, elle, j'ai l'impression. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Ouais, y'a moi, hein. Oh. Y'a moi, hein. Être sacrément soulagé. Gobsmacked, really. But grateful. Really grateful. I could learn a thing or two from a man like that. Hopefully we won't turn into mind flayers first. Il est où, Will? Que j'aille... Il y a Gail aussi qui veut me parler. Damn her straight back to the Hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock packs tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Les semi-vérités, un pack avec les enfers, on veut pas qu'on vous fasse... Attends, ah, d'accord. L'épée des confins va devoir s'expliquer.
Vous entendiez-vous, c'est une diablesse et les habitants des enfers ne sont pas connus pour leur honnêteté. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Ouais. J'aime bien de trouver le moyen de résilier ce pacte. Quelles sont les clauses du contrat? I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden. Unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Il y a seulement de 24 mois ou de 12 mois. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas un forfait illimité là. Hein. Alors Gail. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break, Allow ourselves a few moments of rest. Gives me a chance to talk to you about something. Well, rather important. C'est important, dites-vous. Très bien, je vous écoute. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. Très gratifiant à entendre. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Ce mal peut-il être soigné? No. It cannot be cured. And I assure you, I've left no page unturned in reaching that conclusion. I can keep this condition under control, as indeed I've done for a significant amount of time, but that was under different circumstances altogether. Home in Waterdeep. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Votre état vous impose d'absorber de la magie pure. Vous avez besoin... Attends, je vais avoir besoin de quelques explications. En plus, j'ai vu un item comme ça à vendre avec Gail pourrait absorber... Que se passe-t-il? I'll spare you the finer details, but begins with a simple biological deterioration, muscle spasms, disorientation, a slight ringing in the ears, and if left for too long, catastrophe. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It is time, and by that I mean it's imperative. That I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. Pourrions-nous trouver des artefacts dont vous avez besoin? You've already done the finding. In fact, you have one in your possession. Quoi? You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Oh, m'en étonné. Ne vous en faites pas, ce sera un plaisir de vous aider. Splendid. Bit of boldness will serve us well. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Un artefact magique à Gail. Je vais donner quoi? Ah, d'accord. Je peux choisir ce que je lui donne.
Bah, l'amulette de Séluné, oui, je m'en fous en fait. Je l'ai toujours pas changé, ça. Le veston de bienveillance. Inspiration de barde. Mais ça, je m'en fous, en fait. Je serai jamais barde. Allez, go. Thank you. Spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Je suis ravi que vous alliez mieux. It's not so bad once you get used to it. And on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of that. Oui, forcément. Sincerely though, I understand I asked a lot from you with the answers in the tower. But in time, all will be told. Coucou Darskolette, coucou tout le monde. Merci beaucoup pour le raid. Ah, du spoil. Salut Néo. Bonjour Néo et au revoir Néo. Y'a pas à dire sur une nouvelle run, Raphaël, meilleur perso. Mais je sais même pas qui c'est. Comment ça, Raphaël? J'espère que ça roule, Darskolette. T'étais sur quoi aujourd'hui? Eh mais je vous reconnais. Eh oui. Oui. C'est moi, Imoen. Ah non, 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 bah non, ça marche pas. Non, ça marche pas, je suis désolé. J'espère que ça s'est bien passé, le stream. Nous, on est sur Baldur's Gate 3. Et voilà, on est en train de terminer la première zone, là. Histoire de voir... Je veux faire toutes les quêtes, donc évidemment... J'explore à donf, et là, on est au camp, et on est en train de discuter avec les autres persos. Le travail physique va faire... Non, je suis gentil. C'était avec plaisir. Voilà. Là, je viens de sauver Gale. Il avait besoin de sa dose de magie. Et je lui ai filé sa dose. Je suis en train de commencer une relation avec Karlak. C'est incroyable. T'as testé Silent Train, un jeu d'horreur. Ah, bah c'est celui dont tu m'avais parlé, ouais. Et Pâquerette, un jeu de casse-tête avec des lapins. Casse-tête avec des lapins. C'est chelou. I'm waiting. Ça c'est Karlak, meilleur perso. Hein. En vrai. Hein. Faut attraper le lapin, mais il veut pas. Vilain lapin. Est-ce qu'elle a du stuff elle, sur elle? Oui, bah oui, elle a... Ok, elle a des armes, tout ça... He's okay. Un petit dodo. Ça va nous faire du bien. Sélection automatique. Voilà. Et repos total. Il y a des lapins qui te fuient, donc faut arriver à les bloquer. C'est rigolo. Oh non, c'est ma... C'est gratas? Oh, c'est gratas encore, qu'est-ce qu'il va vouloir hein? I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. Ah non, mais je l'utiliserai pas. Hein. He couldn't. You're desperate to be rid of it. Je suis sûr que c'est la méchante, ça.
En fait, on commence à apprendre des trucs. On commence à apprendre des trucs et a priori, il y a une entité qui contrôle en fait les gens qui ont justement des larves. Et sauf quelques-uns, dont je fais partie. Et l'absolu. Je soupçonne cette personne d'être l'absolu et d'essayer de me dire, d'essayer de faire en sorte que j'utilise le pouvoir pour pouvoir me contrôler. Chose dont je n'ai pas envie. Bah, j'irai voir Colette, j'irai voir ton replay. Ça m'intrigue. Et c'est français en plus. En même temps avec un nom pareil, pas crête. Toujours est-il que j'espère que ça s'est bien passé. Faudrait qu'on se cale une date pour la prochaine session de Unravel. Alcine a mentionné le fait que ses larves avaient été modifiées par magie. Yes. Halcyn is correct. J'arrive pas, je vais me mettre au frais. Des bisous. Encore merci pour le raid. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halcyn knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Comment puis-je détruire la magie de la larve? I am not sure yet. To find the answers, we must first find the source. The source? Non, ça c'est dans Divinity, ça. The parasites are more than illicit spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Je n'ai aucune confiance en vous. Ça va être dur, hein, mais ça va être dur à entendre. Je suis désolé, meuf, ça va être dur à entendre, mais We share a common cause and a common enemy. Allegiances have been built on less. We are alike. You and I. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Je te crois pas. Hells, they need me. I have to go. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Qui c'est qui ronfle comme ça? Ah. Bah, il y a il y a Gratouille. Viens, pourquoi je suis à poil moi? Pourquoi je suis en slip?
Donne-moi ça. All right. It's only fair that you enjoy it too. But if you feel like throwing it, I wouldn't mind that at all. Bien au contraire. Une petite caresse. Petite gratouille à gratouille. Oh. C'est beau chien ça. Oui, c'est beau chien. J'ai reçu balle. Lancé. Il y va. Non. Ah bah voilà, on a joué la baballe. Il est content. Putain, mais je suis vraiment en slip. Allez hop, on quitte le camp. Mais je suis encore en slip, pourquoi ? Hein ? Mais... Ah mais attendez... L'armure que j'ai filée, c'est l'armure que j'avais en fait. L'armure que j'ai filée à Gale, c'est l'armure que je portais. Quel con. Putain, ça doit être ça en fait. Ça. Voilà. Attendez, j'ai pas une épée mieux pour elle. Le flutio là. Flutio insupportable. Non, c'est la même. C'est la même. Chanson. Là-bas. Attendez, il y a un truc là, donc ça veut dire que je peux y aller. Il y a une porte. Putain, j'avais pas vu. Let's go. Tout le monde y aille en fait. Hop, vas-y. Crush-toss-moi ça. Deux. Ouais, allez. Ah, putain, je fais 18. Allez, ouais, pourquoi quand faut faire 18, je fais 2? Et pourquoi quand faut faire 2, je fais 18?
pas, je sais pas comment retirer le truc. Ok, bon. Allez, on va aller s'occuper des Gitianki. Bah les pas de trésor. Ah bah non. Ah bah merde. J'ai le même truc. Oh chiant. Oh chiant, chiant, chiant. C'est normal, Dilando, c'est normal que j'ai ça? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Avoir pas encore le level, bah ouais. Is this your first time on the Sword Coast, Lazel? Et tain, j'ai l'impression de farmer et puis en fait y a rien qui passe quoi. Si je veux aller plus loin Just wait till you see Baldur's Gate. You'll never want to leave. D'accord, toi tu irais farm les tréfonds, ok. Mais les tréfonds, ouais, c'est ça, c'est le... Oui, c'est ça. Ok, donc faut que j'aille... Bah ouais, mais du coup, j'ai... Est-ce que je peux retourner au camp, sortir du camp sans me reposer ? That we will find the answers we seek in the absence of a persuasive creature. It tempts us with avert your eyes whenever it appears. You've no idea what damage it can do. Non, il peut nous pousser vers la folie, Titi. How far into illithid madness it could drag us. Rien, en remontant, je me fie de cette entité, moi aussi. Je n'utiliserai pas ce pouvoir. Well chosen. Battles are won with swords, not mind games born of brain worms. And there will come a battle, of that I'm most certain. Attendez-moi au camp. Chuck, you believe you can survive without me, as you say. Do... Ok. Oh là là, il y a... Il y a machin. Il y a Will. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest. Then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells. Older Ravengard's been taken. Eh belle ma tenue. Les drômes mis le feu à l'auberge. Then we need to seek him out and get him to safety. You see,
Grand Duke Ravengard is my father. I know I haven't said. Our relation is no matter of pride, not least for him. Soyez clair, nous devons sauver le garde corbeau, le duc garde corbeau. Attends. Quand je pense que j'avais vécu à la porte de Baldur pendant des années et que je n'ai jamais su que garde corbeau avait des enfants. Curieux, je m'étais laissé dire que. You heard right. My father and I were close once upon a time, until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. I can't tell you more. The pact forbids it. My lips are quite literally sealed. He made me an exile. That said, I'm not about to let him suffer at the hands of his captors. Qu'est-ce que les drôles peuvent avoir? What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzan would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Vous ne devriez pas me cacher ce genre de choses, Will. Ouais. I know. And you're right. My story is one of two men. The Blade of Frontiers. A man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Ravengard. A memory of a memory. A man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. Ok. Reviens dans le groupe, s'il te plaît. I had another dream. Which, I suppose, means you did as well. Exactement. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute, but wants us to embrace the tadpole. Venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector. Or we're walking into a trap. All right. Some company wouldn't hurt on the road, especially. C'est bon. C'est parfait. Et donc je sors comment? C'est le camp, ok. Perso, avant de bien connaître les actes 2 et 3, je faisais tout l'acte complet pour avoir les bons niveaux. Il y a Carlac qui danse. Rigolote Carlac. Donc, je retourne chez la vieille. Attendez, parce que je peux passer. Attendez, les tréfonds obscurs, je peux aussi passer par l'autre côté, en fait. Je peux passer par là ?
Pourquoi j'arrive pas à cliquer sur le journal? Par récent. Lire. Pourquoi ça change? Je pige pas. Les deux passages m'en empêchent de faire l'un sans changement, puis faire l'autre. Fais l'autre, clique sur l'item. J'ai pas compris. Oui, quand tu cliques le bouton droit, ça je savais. Le menu contextuel. Coucou Nixou. Ah bah je... De toute façon, oui, j'explore, hein. Ça clairement, on peut pas me dire que j'explore pas, hein. Il y a des il y a de la brume pas gentille. Moi, je veux pas la brume pas gentille. What in the nine hells is that? Rassurez-moi, cette voix, c'est pas moi, j'y mets. Ouais, bridez le flot de vos pensées pour vous concentrer sur cette voix étrange. This might be some devil's ploy. Don't listen to it. They're coming. You're coming. I'm coming. I'm coming. Non, évidemment, non. Regardez, ça fait une petite tête de serpent, là. Je l'ai pas vu, ça. Cette entrée-là, là. Il y a un truc ici. Excalibur. Slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Somme d'armée d'une aura sacrée. C'est de réfléchir au rituel adéquat. C'est comme Sheila, parce que Sheila est adéquate. J'ai réussi avec le pouvoir de mon esprit. This blade was a warrior's sacrifice to Elis Stray. Blood can only be honored with blood.
The drow script inscribed on the blade flickers and glows. It rises from the stone, hanging in the air in silent offering. Un 13 de dégâts. Ah bien l'aimer alors. Mon broker a priori. Ah non, maîtrise pas arme de guerre à épée longue. Pourquoi j'ai un Morgan Stern nul alors que... Ah non. Et toi t'en penses quoi là? Ouais. Le casque, il est bien ou pas le casque? Bon, ça c'est fait. Sauvegarder, est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qu'ils font? D'accord. Allez hop, 18 dans ton cul. Je peux aller le mordre ou pas? Cible incorrecte. Ok. Tony Hub. Alors... Force 19, constitution 21. Pas de résistance. 600 kilos. Un beau bébé, hein. Roucoule. ...40%, putain... On s'arrête quoi. Évidemment trop loin. Sprinter, hein. Oh.
mouvement. L'enfer. Ok, 15, c'est pas trop mal. Mais bon... Bah on est bien là, hein. Tout va bien se passer. Là, c'est un cul-de-sac en plus. Ah non. Let's watch my set. They like to explode. Not sure what the other mushrooms are. Putain, mais c'est pas possible, ils se sont approchés comme des cons. Mais ils y vont exprès. Mais c'est pas possible, ils y vont exp... Elles sont allées faire le tour exprès pour s'en prendre plein la gueule. Minotaur là. Potion de confusion, ouais, hein, sûrement, ouais. Ah. Oh. Ah. Non, il y en a deux. Oh non. Ah non, 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 hein. Oh là là, l'enfer. Oui. Niveau 2. Tormenta.
Putain, je fais vraiment pas de dégâts, quoi. Oh. Ah mais il s'est soigné en plus. Les super bullettes là qui s'est soigné. Ah mais ils se battent entre eux. J'adore. C'est trop bien. Je peux aller le becter ou pas hein? Ah ouais. Je peux aller lui mordre le cul. Ah, les bisous. Ah non, je peux pas. Et genre, ça considère pas que je l'ai touché là. Oh. Tout noob. Pas mal. Pas mal du tout. On pouvait laisser les deux là se buter entre eux, ça serait parfait. Bah ouais, relève ta pote. Ou tabasse-le lui. 75 points d'XP hein. Tourne pas. On m'a pas vu. Ouais, Minotaur. Ouh, Minotaur. Putain de merde. Tan. Ah mais putain, il y a mes Astarion qui est au sol aussi quoi. Putain, les deux ils sont au sol. Qui là? Ah. Ah.
J'ai essayé. Hein. Bon, allez relever machin. Mais des faibles. Dégâts tranchants. J'ai une vulnérabilité aux dégâts suivants. Dégâts contondants. Ah. Ça vous donne un truc en plus et puis ça vous en enlève un quoi. Là je reviendrai sur mes pas. Pas vraiment d'intérêt. Oh merde, mais qu'est-ce que je fais? Je reviens sur mes pas. Mais putain, mais il marche dessus exprès! Mais c'est pas possible! D'être si con. Il le voit qu'il y a des trucs au sol, bah non, il marche dedans. Mais ça a pété l'échelle en plus. Merde, j'avais pas sauvegardé. Attendez, à 18h57. Putain, c'était il y a 10 minutes. Ah mais c'est ok. Là c'est le... C'est pour descendre depuis chez les voleurs là. Non mais là tout le monde est à moitié raide là, qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? Qu'est-ce que ça fait ce truc? On ne sait pas.
Attendez, mais je suis comme un con, je suis Keblo là. Attendez, par où je passe? Là c'est non. Ah, par là. Oui, je peux descendre par là. Ok. Ça pue la merde. Comment on fait? Attaque à distance, toi. Hop là, c'est bon. Sac à dos, sac à dos. Ah merde, 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 merde! Barrez-vous, barrez-vous! Putain, mais... Des gens ici, enfin des gens. J'ai peur. C'est qui ça, les crépis? The camp looks abandoned. Dis-moi, ouais.
grosse bait. Mais c'est super grand quoi. J'aille dans le bled pourri là. On va voir. Someone's sneaking up on us. Je lève les mains, moi. Too loud, sun scum. Heard you stumbling. Can hear you blinking. Noise gets you eaten down here. Reckon I'll hush you before something hungry comes along. His fist grips an axe. On his gnarled gray skin, you see the Absolute's brand. Intimidation ou persuasion, persuasion. Je peux être discret s'il le faut, inutile de faire couler le sang. 15. Possible que ça ne passe pas, hein. Putain. Incroyable. Fine. I'll let you live. But spoil my hunt. And you're dead. Que faites-vous ici ? Told you, hunting. Slave ran away. Took Sergeant Thryn's boots. Gotta kill the slave and fetch back the leather. Or the bosses in Moonrise will have Thryn's hide. C'est vraiment prêt à tuer quelqu'un pour une paire de bottes? Sergeant told me to. Besides, we're talking about a slave. La question que j'ai d'un esclavagiste. A bleeding heart, are you? Reckon I'll just roast and eat it. Quelle merde. Quelle merde. Vraiment quelle merde quoi. Bah relève machin quoi. Concentration réussie, c'est dommage. Ah lui, il faut vraiment que je le bute. Non.
Nice. Lui, il faut le buter parce qu'il a invoqué à mort. Tourniob. Voilà. Merci. Ah oh, merde. Silence quoi. Ils sont en train de débarquer quoi. Il va me taper lui, non? Ouais, c'est ça. Hein. Et du coup, maintenant, je peux me barrer. Voilà. C'est cool comme truc. Hein. Ça, c'est vraiment cool comme truc. Mais genre, il n'y a pas assez. Oh! Ah, là, du coup. Ah ouais! Il a 62 lui. Ouais, Tony Hop c'est bien mignon, mais là, tant qu'il est dans cette zone-là, il peut pas balancer de sort. Hop là, là il peut balancer des sorts. Je peux les pousser. Est-ce que je peux les pousser? Oui. Il a rien pris. Ah merde quoi. Mais non, mais ombre cœur, s'il vous plaît. Impossible d'atteindre, genre. Genre elle bloque le passage là. Suffisante évidemment. Il va me taper en fait là, non? Non, bon coup de bol, il me tape pas. On peut resprinter, je crois, non? Ah non.
va avancer. On va revenir là, quoi. Tunyob. Si je te mets là. Est-ce que... Je fais la visu là-dessus. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Ça, c'est cool. Un petit soin derrière. Il est encore vivant, l'autre con, là ? Mais lui, il est censé être canné, non ? A priori, non. Putain. Comment ça, il y en a un autre ? Hein ? Oh là, je comprends rien. Il y a tout le monde qui se planque là, je piche que dalle. Ça, c'est dans ta tête, c'est bien fait. Est-ce que je peux le pousser ? Allez ! Combien de points de vie lui, 30. Chasseur d'esclaves. Cible trop éloigné, comment ça cible trop éloigné? Comment ça? Comment ça, cible trop éloigné? Non mais il déconne ou quoi là? Le jeu, ouh. Bon bah a priori trop loin quoi. Oh à travers la fenêtre. Tabasse à travers la fenêtre, c'est incroyable. J'aurais pas pensé, mais. Attendez, faut que je le décale. Sinon, après, elle va pas pouvoir partir. 55 seulement. Et là, 60. Ouais. Je préfère rester. Et voilà. Évidemment. Tiens. Voilà. Tac. Est-ce que je peux y aller? Défense élevée. Oh là là. Ça se fait. Ça passe hein. Ok, ça passe. J'ai plus de sort. Mais arrête de... Ah mais voilà pourquoi je peux pas lancer des trucs, c'est parce que j'ai cessité depuis tout à l'heure.
Ah, que dalle. Oh, il manque un mètre. Donc je peux taper personne en fait. Because ouais. Wow. J'ai perdu ma rage, évidemment. Ouh, ils sont en train de se paquer là, tous ensemble. Est-ce que ça serait pas le moment? Déjà, est-ce que je peux me mettre là et en toucher un? Je reviens ici. Chacun de son côté. Chaque groupe de son côté. On est bien. Voilà. Je vais aveugler pendant un ou deux tours, c'est bien. Ah, pas des petites potions, toi? Non, c'est Tony Hawk qui a les potions. Ça... C'est un rayon, ça. Voilà. Scinder la pile. Pile en deux, merci. Lambrequeur. Oh mais non, mais il se barre, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Je l'ai eu. Alors ça, c'était pas prévu, mais j'ai plus ces cités là. Quelle espèce de petit enfoiré. Oh là là, ils peuvent marcher. Ils peuvent marcher si loin, quoi. J'ai pas un avantage là? C'est cool. Il reste plus grand chose. En fait, c'est lui qu'il faudrait que je bute. Je peux pas y aller directement là.
Ça, je peux le faire. Genre, tu peux pas, là. Genre. C'est pas un truc positif, ça? Putain, je crois que c'était un buff. Putain, j'ai plus le tourbilol. Ah. J'ai pas le tourbilol. Est-ce que je peux sauter? M'a interrompu. Putain, fais chier. Ok, mort direct. Bien. Allez, ça c'est plutôt une bonne chose. On va l'enlever là, lui. C'était quoi ça? Holy merde! Putain! Oui, Rabia, je viens t'ouvrir dans 2 secondes si t'as un peu de patience. Ah, la chérie, quoi! Ah non, ils vont me tabasser tous les deux là si je fais ça. Dommage. Ah, quoique, attendez. 12%. Oui, Rabia, je viens t'ouvrir dans 2 secondes si tu me laisses un peu de temps. Oui, Rabia, je viens t'ouvrir dans 2 secondes si tu me laisses un peu de temps. Oui, Rabia, j'en trouve dans 2 secondes si tu me laisses un peu de temps. Mais je vois Rabia parce qu'elle est insupportable. Évidemment, je peux pas aller là-bas sinon. Lui me tape. Chien. Dommage. Il tombe. Thank you.
Je peux pas lui jeter un truc? Ah non, de toute façon, un G, c'est... oui. Un G, c'est une action. Oh, l'enfoiré. Il est... Pourquoi il est vivant, lui? Mais... Arrête d'être vivant, quoi. Il était mort, il est revivant. Puis remort. Mi-vivant, mi-mort. Et remis vivant derrière. Je peux pas balancer un truc là, balancer un truc au pif ici et tenter de lui faire des dégâts. Je sais qu'il est dans le coin quoi. Pas un truc, il y a pas poison. Jeter l'objet, lancer. Il est dans le coin, il est là quoi. Mais genre ça va rien faire. Astarion. Est-ce que tu peux filer des trucs pendant que t'es au sol? Eh ouais. Scinder la pile. Vas-y, confirmed. Envoyer à Karlak. Et là, Karlak. Oh putain, puis il va crever en plus. Oh là là, il va crever au prochain tour. Je suis dégoûté, jeter l'objet. Non, pas ça, non. Ah, j'aurais dû aller le sauver lui en fait. J'étais un peu con sur ce coup-là, non? Et vas-y. À le relever. Nice, merci. Bah ouais, mais t'as rien à faire en fait. Non, 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 non. Vraiment pas en forme. Ah, j'ai pas de potion quoi. Et Toniob. Peut-être. C'est pas grave. Hein. En vrai, ça, je m'en fous. Hein.
Eh bah. Putain. C'était compliqué, hein. Rabia qui est déjà rentré. Et qui a chialé à la porte pendant 10 minutes. Dark Exterminateur. Ça va te plaire, ça, je pense, non? Le registre. Attends, quoi, hein, appartenant de maîtresse de galerie, Merna. Gna gna. Vraiment que je les fasse monter de niveau en plus là. Ok, on a tout looté, c'est tout. C'est un peu la merde, hein. Mais la petite hache, là. 6,22. Et en plus, des dégâts de feu. Un 12 plus 4. En tranchant. Let's go. Donc ça c'est ok. Allez, faisons les montées de niveau. On va s'arrêter. Ok. Apprendre des sorts. Ouh, les sorts de niveau 3, ça y est, ils débarquent. Moins bien que ton actuel, pourquoi ? Malédiction, on s'en fout. Clignotement. Contresort. Terreur, c'est abjuration. Mort simulée. Évocation. Moi, c'est invocation, hein, on est d'accord. Bien, c'est ça, hein. Je suis invoque ou je suis évoque, moi? Je sais plus. Toi, c'est évocation. Tu vois ça où, en fait? Tu t'en rappelles ou tu le vois? Donc, évocation, c'est bien. Parce que boule de feu, c'est cool, par exemple. Réouvre. Préaptitude, rempart humain. Ah oui! Au sort de sorte d'évocation, les alliés qui se trouvent réussissent automatiquement leur jet de sauvegarde. Ok. Donc une petite boule de feu, ça peut être pas mal. Clairement. En fait, c'est, faut que je regarde la couleur, c'est ça? Ouais, donc c'est les sorts qui sont orange. Ok. Boule de feu, ça va vraiment être cool. Ah bah non, il y a ça! Éclair! Ah, et ça touche toutes les cibles. Il y a hâte aussi.
10 tours. Au terme de l'état, la cible devient léthargique. Ça, c'est pas ouf, par contre. Lenteur, ça marche jamais. Nuage nauséabond, c'est de l'invoque, donc non. Baiser du vampire, faut être au cac. Ah, et ça, c'est comment c'est ça? C'est les sorts de niveau 1 et niveau 2. Petit éclair là. Petit éclair au chocolat là. Qu'est-ce que je vais bouger? Nappe d'eau brouillard, je m'en sers jamais. Ah ouais, j'avais dit le tourbillol là. Fracassement. J'ai ça. Se faire enflammer, je me fais avoir à chaque fois que je l'utilise. On va virer fracassement. Puis on va prendre les deux là. Ça va être bien. J'adore quand elle danse. Elle me fait trop rire. Eh bien, c'est le moment justement. Elle devrait ressembler à ça. si j'avais laissé le fait qu'on voit comment elle est habillée, voilà à quoi elle doit ressembler, quoi. Je suis toujours cœur bestial. Enfin, cœur d'ours. Châtiment révélateur. Une chance de baigner votre cible de lumière, ce qui l'empêche de se rendre invisible. Oh. Bon bah vas-y. Niveau suivant. Ombre cœur. On a des nouveaux sorts. Qu'est-ce qu'on peut préparer comme sort? Ça c'est bien. Ça c'est bof. Ça je garde. Silence, je l'ai jamais utilisé. Protection contre l'énergie. Mode guérison de groupe. Déjà, hop, ouais. Retour à la vie. Hors simulé. Aide. Ça, je pourrais l'utiliser de temps en temps. Bénédiction, je l'utilise. Soin des blessures, je l'utilise, évidemment. Silence, je l'utilise pas. Imprécation, je l'utilise pas. Lueur d'espoir. Vos alliés récupèrent le maximum de points de vie possible chaque fois qu'ils reçoivent des soins. Ils bénéficient également d'un avantage sur les jets de sauvegarde de sagesse contre la mort. Ouais, délivrance des malédictions. Esprit gardien. Lumière du jour. Neutraliser les poisons. Ouais. Ouais. Le truc, c'est des niveaux 3, je vais pas en avoir des masses. Non, bah, je vais laisser comme ça. Hein. On verra au prochain niveau, quoi. J'aurais pu faire ça au camp quand même. De toute façon, je vais aller au camp après. Là, ils sont tous à moitié canés là. Ils ont plus de sœurs, ils sont tous à moitié morts. Ok, donc on a rien à changer ici. Juste une montée de niveau. Hop, bon. Et bah on va aller au camp. Quand? Tout de suite. Et non c'est... Petit chien! Petit chien, il veut jouer à la baballe. C'est sûr qu'il veut jouer à la baballe. Est-ce que quelqu'un veut me parler? Il y en a qui sont en vert.
Don't know, don't care. Bon. Ben voilà, et ben on va s'arrêter là. On va quand même sonner la fin de la journée. Hop. On va quand même parler à Carlac avant de faire dodo. Another visit from the Golden Paladin. It said we'll get the answers we need about the tadpole. Mais c'est une mauvaise idée. En discussion, pourtant, le cœur du culte. Bonne idée, je me demande, mais si on permet d'exploiter les larves, notre avantage, avant de nous en débarrasser, nous aurons tout à y gagner. Je pense que c'est un piège, nous ferions mieux de ne rien écouter de cette étrange entité à dire. Agreed. A bit of shiny armor doesn't impress me that much. I don't want to get taken in by a pretty offer and pay the price later on. Vous et Misora semblez vous connaître comment ? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Misora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Misora was delighted. Oui, qu'elle continue à vous pourchasser, je comprends pourquoi votre territoire a vous échappé. I don't know. You think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Je comprends pourquoi vous teniez tant à vous échapper. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Changer de sujet. Bon allez, un petit truc avant d'aller dodo quoi. Juste un petit hein. Where would you start? Des bisous cette fois. All night and then some. Oh. We better find a way to cool me off soon. I'm not sure how much more of this I can take. Bisous, Carlac. On va aller se coucher. Comme ça, je vais pas oublier. Ah. Non. Qui veut me parler? Ça. Hein ? Mais qui ? Ah. C'est Gail. Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Even in such fraught times as these. Peace to be found in the stillness as evening draws in. Je veux pas de pécho, hein. Arrête. I used to while away many hours just like these with my companion. I'm far comfier surrounds. She preferred it when we were alone. Curled up before a crackling hearth with some ancient esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. vous parlez de votre chat? Tara is not any cat. She's a Tressum. And given your confusion, I'm guessing you've never met one. They're brilliant creatures. Fine company for any self-respecting wizard. She'd be proud to see me keeping such fine company. The savior of those poor tieflings, no less. I've given her precious little to be proud of recently. After I was afflicted with my condition. Lock myself in my tower for an entire year. It was inconsolable. Wallowing in my self-inflicted tragedy. I gave enough of myself. But Tara never did. It was her encouragement. Her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life.
Il y a eu une coupure de courant, je sais pas si vous avez vu, mais... Tu devrais reconnaître la même dans vos actions ici. Je suis sûr que tu approuves de me lendant myself to your efforts. Quoi ressemble? Vous avez dû vous sentir bien seul que... Attends. Très intelligente pour avoir fait tout ça. Smart does her a disservice. She's a fine wizard in her own right, though. Somewhat held back by her lack of opposable thumbs. You remind me of her somewhat. There's a steeliness in you. An unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wish she were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistress coattails. So that's what I'm doing. I hope. Pas de chance à ce niveau, figurez-vous qu'en réalité je suis une nymphe déguisée. Putain, le petit blagueur. Le petit blagueur. Alors comme ça, je vous fais penser à votre animal de compagnie, mais non. Et si elle ne m'aime pas? Vous n'avez pas d'amis? Sadly not. If I'm being entirely honest, my social circle is rather small. More of a dot. Or a pinhead. I've got acquaintances, certainly. Plenty of colleagues. Friends? Those are precious indeed. I hope, though we've only known each other for a short time, I might be able to count you among that number. Évidemment, mais si je dois admettre que de mon côté, j'espérais que nous puissions devenir plus qu'amis. Non, ça dépend. Qu'est-ce que vous appréciez chez moi? Non. C'est un honneur de me promener de l'ami du grand Gale d'eau profonde. Peut-être. Enfin, pas notre relation d'amitié, plus une série d'interactions nécessaires, disons. Non. To know you enjoy my company is, well, it's rather wonderful, actually. I'd be loath to waste the time of someone who's become rather important to me. Si j'essaie de faire la cour, je vous arrête tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Right. Understood. You'll hear no more on the subject from me. Consider this budding romance thoroughly nipped. Though I hope our friendship need not come to such an end. Non, je veux bien être copain avec toi, y a pas de problème. Enjoy your evening. Nothing better for the heart than a good night's rest. And mine is gladdened to know I'll have the pleasure of your company again come morning. He's okay. On peut être super potes, y a aucun problème, mais moi, c'est Carlac, hein. Je suis désolé. Hein. Et je me repose. Ah! You recognize the feathered creature. It's the owlbear cub you rescued. Ça y est, il est arrivé? Piochez quelque chose à manger dans votre sac. Mais oui, c'est une grosse bouffe, on le sait. Oh, tout le monde approuve, hein, tout le monde adore, voilà. Tout le monde est super content que je donne à manger. Tenir la nourriture à bout de bras. Manger la nourriture, le truc horrible. Non, faut que je lui lance parce que tenir la nourriture à bout de bras, je pense qu'il va me becter, ce con. The creature gulps the food down. It seems he hasn't eaten in some time. Ouais, il m'aurait mangé la main, c'est sûr. What a delectable little pet. Oh là là. Il t'aime pas, toi. You've scared off the little snack. Oh non, mais putain, mais Astarion. Astarion, quel connard. Ah. J'aime bien ce petit cri soulagé le matin, quand tout le monde se lève. Tout le monde se lève le matin. Matin. Hop. Tac. Impeccable. Le groupe est ready. On va pouvoir sauvegarder. Tac. Tac. Une sauvegarde rapide. Et puis s'arrêter là. Des bisous YouTube. J'espère que vous avez apprécié cette journée. Et à la prochaine.